Fait que c'est bon, je vais le mettre dans les suggestions, mais c'est ça, il va être dans la roue seulement quand ton Dark Souls 3 va être terminé. Ah, Bloodborne! Bon, let's go, Resident Evil! Prépare-toi les astuces à côté de toi. Moi, hein, je vais sûrement prendre des notes pendant que je joue à ça. Oh! De quoi au début, on va laisser ça aller. Un zombie! Qui est dans le sac. Il est déjà mort, le zombie. Hey, je suis nerveuse, là. Ça fait bizarre. C'est comme un vieux jeu que je connais, mais que j'ai jamais comme eu le goût de jouer. On dirait que c'est pire que, mettons, comme The Evil Within, tout ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Fait que c'était let's go, là. Mais ça, je sais c'est quoi, mais on sait pas. Puis le pire, c'est ça risque d'être rien, là, pas en tout, en y jouant, là. Oui, je vais créer une nouvelle sauvegarde. Ça risque d'être les contrôles qui vont être rough. Malgré que j'ai joué à Silent Hill 2, où ce que le gameplay était assez rough aussi, là. Ok, ça c'est l'icône de sauvegarde. Une tache de sang. Je verse une larme si je joue à Resident Evil. Oui, c'est le premier sur la chaîne. Ben sérieusement, c'est une série de jeux que je m'étais dit qu'il fallait que je fasse. Parce que c'est vraiment. Je trippe Resident Evil. J'adore ça, mais j'en ai pas joué beaucoup. Les seuls que j'ai joués, c'est Resident Evil 6 en coop avec mon chum. J'avais starté Resident Evil Révélation que j'avais rage quitté. Ou scare quitté, je sais pas comment dire ça. Puis sinon, j'avais joué au Railgun Shooter sur la Wii, Umbrella Chronicles, puis Darkside Chronicles, que ça, j'ai vraiment trippé, là. Puis ceux-là aussi, je veux les faire en live. J'ai vraiment aimé ça. Je vous avertis par exemple, je joue probablement à facile. Ça, je vous le dis tout de suite. Nouveau. J'ai pas envie de rager ma vie sur un survival. Je me connais, fait que je risque de jouer à facile. Original ou large? Ben, je pense que je vais les laisser comme ça. Les sous-titres, je vais mettre oui. Moi, j'ai beaucoup aimé les Chronicles. C'est des railgun shooters. Faut aimer le style. Juste vérifier quelque chose. Ok, les sous-titres en français. Ça, c'est le son. Faut-tu que je fasse continuer? Mais il doit pas avoir rien. Non, c'est ça, t'as peu. J'ai dû faire le mauvais piton quand j'ai fait nouveau, là. Oui, effectivement, c'est plus puzzle, mais c'est parce que c'est quand même le trip de faut que tu sauvegardes. Puis là, si tu meurs puis t'as pas sauvegardé avant d'avoir fait telle affaire, faut que tu recommences. Puis je me connais dans des jeux de même, je vais probablement mourir une couple de fois si je joue à normal, là. Ok, il fallait que je fasse X. Ok, c'est ça. Old school, vous êtes un hardcore gamer. Gamer, vous aimez les défis. Ok, moi je suis une casual gamer. Moi j'aime ça dire une paysanne. Vous jouez pour le plaisir. C'est-tu genre very easy ça? Parce que pour de vrai, je joue pour le plaisir. Les défis, ça dépend des jeux. C'est drôle en esti. Paysanne gamer. Oh non, fuck le old school. Hey, tu peux bien parler, t'as même pas terminé Evil Within, toi. Non. Non, moi je veux pas jouer. J'aime pas. Ce genre de jeu-là, j'aime ça y jouer, mais pas pour me faire chier puis mourir 40 fois. Mais moi j'ai envie d'y aller casual, surtout avec la question qu'ils disent, là. Oh, let's go. On va se faire du fun, là. Tu le fais en ultra hard. OK. Fait que, je fais les deux campagnes, ça c'est sûr. Ils disent qu'avec Jill, c'est plus facile. Puis que Chris, c'est le mode comme plus difficile. Fait qu'on commence avec Jill, là.
Il part à désinstaller le jeu en live. Ah. Assassin's Creed en normal? J'ai jamais remarqué hein, les Assassin's Creed si les niveaux de difficulté. Assassin's Creed, les jeux d'aventure comme ça, je joue tout le temps en normal. C'est les survival que je descends le niveau de difficulté souvent. Ah, plus d'inventaire, moins de vie. Ouais. Mais elle, je sais qu'elle a un lockpick pour les portes. Lui a un couteau. Lui a un lighter pour les Crimson Heads. C'est hot. Les tabarnaks de Crimson Heads. Est-ce qu'ils vont me faire pleurer ceux-là? Malgré que là, je joue à facile, fait que ça risque d'être moins pire, là. Y a-tu une préférence dans le chat? Vous voulez que je commence avec qui? Je vais faire les deux. Jill ou Chris? Qui c'est que vous voulez voir? Jill? Oui, c'est vrai, hein? Jill a le plus d'inventaire pour ça. T'as vu aucune différence dans la difficulté dans Assassin's Creed, ça? Jill Sandwich. Oui, hein, il y a une patente en rapport à cette histoire-là, le sandwich de Jill. C'est pas dans le 3, ça, je pense. Ok, let's go, Jill. On start avec Jill, puis on finira ça avec Chris. Chris, l'homme qui enlève les roches à coups de poing. Un connaisseur. Oui, ben, Captain Simba, il joue quand même pas mal au Resident Evil aussi. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Chris, you haven't found it yet? Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. Ah, je l'ai tellement vu souvent. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Hey, la première fois qu'on a vu ça, je m'en rappelle. On capotait notre vie. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare. C'est vraiment beau, sérieux, les graphiques pour... c'était du GameCube à l'époque, là. C'était vraiment beau. This way. Wester puis il y a Barry. Barry, on le revoit dans Révélation 2. Watch, il l'a fait récemment, lui. Allez dans le manoir creepy. Sauvegarde. Le 2, c'est le meilleur dans les trois premiers.
Souvent, c'était, oui, c'était vraiment épeurant dans le temps. Tenter de survivre dans un monde d'épouvante. À cette époque-là, c'était fucking épeurant. Aujourd'hui, dans c'est comme There are moins only three pire, là, les Star-Grabbers originaux, left là. now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey Wesker, where's Chris? Il est allé jouer You'll avec les know. chiens. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. C'est vrai, avec Jill, il y a des scènes surtout avec Barry. Tandis qu'avec Chris, me semble, c'est des scènes plus avec avec Chris. Avec Wesker. Je suis en train de redire Chris deux fois. L'intro était vraiment nice. Ils sont pas innocents, les dogos, ils sont méchants. Tellement bien fait à l'époque qu'aucun kid l'a fini par pas. Hey, salut Carlo Pepito, comment ça va? Ben oui, The Resident Evil à soir. On a fini Wind Waker, fait que j'embarque là-dessus. Question, Wind Waker et Resident Evil se ressemblent tellement. Resident Evil 7. Ce que j'aime pas de Resident Evil 7 et 8, c'est le côté de l'histoire que je trouve pas. Pas ben capoté. Ça, c'est des sauvegardes. Là, je joue à facile, fait que je vais avoir full balle probablement, puis full vie. Hein. Mais bon, let's go, on aime ça de même. Mais sérieusement, là, les graphiques étaient vraiment beaux pour... C'est sûr que là, c'est version PS4. Là, je sais pas s'il y a un remaster au travers, là. Mais je me rappelle qu'à l'époque, au GameCube, c'était vraiment beau. Bon. Maintenant, tu dois aller... I think you'd better take a look at this. Qu'est-ce que t'as trouvé, Barry? Du sang. Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Là, c'est quoi mes pitons? Ils m'ont pas dit c'est quoi les pitons, hein? Y'a comme pas de tutoriel dans les jeux de cette époque-là. Ok, ça c'est visé. Probablement que c'est le trigger. En tout cas, j'espère que c'est le trigger. Là. On gaspillera pas des balles pour tester. Mais je sais que je vais avoir mon premier zombie bientôt de toute façon. Je me rappelle très bien du début. Ils ont mis Ethan sur la map en défaut du succès de Leon et Chris. Ethan, sérieusement, là, je le trouve nul à chier comme personnage dans Resident Evil. Je le trouve tellement pas charismatique, je le trouve poche. On le voit pas aussi parce que c'est en first person, fait que j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de s'attacher à ce personnage-là. Je déteste le personnage d'Ethan, en fait. Je trouve tellement que ça a genre gâché l'histoire de la série, là. Ouais, pour... c'est L1 pour viser. Caméra de pisse, là, dans les vieux RE, là, c'est fait comme ça. C'est probablement la gâchette. En tout cas, j'essaierai les pitons. Bon. Là, je sais que je vais croiser mon premier zombie à cette place. Il y a même une cinématique pour ça. Il est au bout du couloir! Es-tu ici? Il me semblait qu'il était ici. Un peu, là. Peut-être c'est de l'autre bord. Il me semble que c'est dans le coin. Ah, il était de l'autre bord. Assez que son creep. Et la première fois qu'on a vu ça, on était comme what? Ok, on va tester les. C'est
C'est quoi le piton pour tirer? Ah, ok. C'est R1. Ah, ils prennent beaucoup de balles, même à facile. Quand même. C'est R1 pour tirer. Oh. Leon, Yacht. Louis, Serra. Ah, Louis, c'est pas lui dans le 4, ça? T'as acheté R0 et Village avec l'Halloween. Il y a des méchants beaux sols. Ah, nice. C'est les seuls Resident Evil qui te manquaient. T'as-tu fait Boomba Resident Evil Code Veronica? Tu peux y jouer sur PlayStation 4 aussi. Il est vieux. Il est vieux, là. On va se le dire, il est vieux, là. Mais il est vraiment nice. L'emblème d'une armure est gravé sur la serrure. Ok. Là, je peux pas revenir en arrière. À moins que j'arrivais par là. Peut-être que j'arrivais par là. Barry! What is it? Look out! It's a monster! What the fuck, je l'ai tué! Let me take care of it! Évidemment, fallait pas que je le tue. Qu'est-ce qu'il déballe? What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Ben oui. Barry le tue pour moi. Là, comment je fais pour accéder au menu? Ah, ok, c'est triangle. Fait que là, j'ai 10 balles. Ah, j'ai un couteau? Je pensais qu'il y avait juste Chris qui avait le couteau. Fichier. Manuel du STARS. Je peux bien lire ça. C'est peut-être un tutoriel. Manuel d'entraînement du STARS. Attention, les instructions suivantes correspondent à la configuration par défaut. Appuyez sur triangle en cours de partie. Vous ne pourrez pas accéder à l'écran d'état pendant les cinématiques ou lorsque vous êtes attaqué. Vous pouvez effectuer les actions suivantes à l'écran d'état. Équiper une arme, utiliser des objets, voir la carte, lire des documents. Blablabla. Bla, bla. Salle non colorée égale salle non explorée. Salle orange, salle où il reste des objets. Salle verte, salle explorée où il n'y a plus d'objets. Ok, ça, le système de cartes, c'était le fun pour ça, les Resident Evil, c'était clair. Tu sais, tu savais qu'il te restait des objets à telle place, ou ça c'est beau, tu l'as tout fait. Porte rouge, porte verrouillée, porte blanche déverrouillée, porte bleue, c'est une porte qui est ouverte, ok? En face de cet objet, puis dirigez-vous, ça c'est bon pour pousser. Et appuyez sur X. Vous pouvez monter des objets déplaçables. Pour descendre un objet, appuyez sur X lorsque vous êtes le rebord de cet objet. Code Veronica et Opération Raccoon City, je les ai pas fait. J'ai même fait ceux sur la Wii que j'ai bien aimé. Umbrella Chronicles, ok. Opération Raccoon City, honnêtement, ça a l'air que c'est très mauvais. Watch l'a fait puis il dit que c'était vraiment mauvais. Mais Code Veronica, sérieusement, Code Veronica aurait dû s'appeler Resident Evil 4 et faire partie de la série. Genre, c'est vraiment... L'histoire, c'est un Resident Evil à part entière, puis il est souvent oublié du fait qu'il n'y a comme pas de numéro, puis qu'il est considéré comme un spin-off, là. Mais côté histoire, là, ça devrait être Resident Evil 4, là. Ok, pour équiper, sélectionnez l'arme dont vous souhaitez vous équiper. Comment équiper? Ouais, position d'attaque, ce que j'ai trouvé, ça c'est bon. Demi-tour. Ah! Probablement, je vais le tester, là. Attends un peu. Hein? Non, c'est pas ça. Je cherche le piton. Ouais, j'ai pas joué souvent, hein. Ben en fait, ça fait longtemps, fait que je sais plus trop c'est comment utiliser le menu. C'est le demi-tour. Dirigez-vous vers le bas,
puis appuyer sur carré. Ok, ah c'est ça. C'est pour se retourner rapidement. Ah, c'est le fun à savoir. Dans certains couloirs, ça peut être nice. Ok. Parfait. Puis mettons, je vais utiliser mon couteau. Ouais, je donne des coups de couteau. Ok. J'arrête pas de faire start pour le menu, mais c'est pas ça, hein. Ok, good. Les fans le demandent, mais ils l'ont choisi de puncher Resident Evil 4 pour en faire un remaster. Oui, pourtant, sérieusement, ça devrait être Code Veronica qui passe avant Resident Evil 4 pour ce qui est d'un remaster, là. Fait que là, je pense qu'il faut retourner dans le hall, là. Le demi-tour, c'est surtout utile en vrai. En vrai, tank controls. Tank controls? What the fuck? Il est reparti? Ok, si tu veux. Va-t'en. C'est là qu'on va se séparer, je pense. Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Aide-moi à le retrouver. Y a-tu dit que lui est resté dans le hall, là? Bon. La carte a l'air de quoi? De pas grand-chose pour l'instant. T'as fait demi-tour une fois, la police t'a pourchassé en voiture. Carlis. Les contrôles originaux que pour avancer, c'est toujours en haut, puis que gauche et droite font pivoter ton personnage à sa gauche et à sa droite. Les... Hein? Contrôles originaux que pour avancer, c'est toujours en haut, ouais. Mais c'est des contrôles normaux? Mais je comprends pas ce que tu veux dire. Là, c'est quoi? Faut que je me promène, là? Ah, Barry. Fallait que je retourne voir Barry. No, nothing. What's going on around here? J'ai juste monté en haut des marches. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh, I almost forgot. It's a lockpick. Yes. You'd make better use of it. Ça va me servir à pouvoir ouvrir certaines portes sans avoir besoin des items pour l'ouvrir. Vous avez obtenu le crochet de serrurier. Thanks. I may need it. Chris, y a pas cet item là. Something happens. Let's meet up in this hall. Je sais qu'il y a plus de backtracking avec Chris parce que t'as moins d'inventaire, puis t'as aussi le fait que t'as besoin de plus trouver les objets pour chaque porte. Bon, fait que là, c'est à partir de ce moment-là que je suis laissée à moi-même. Ça, je peux pas retourner en arrière. Ah, je peux-tu? Non, ferme la porte. Je voulais juste tester ce que ça faisait. Oh, Carlis! Je me souvenais pas de ça. Lâche-moi! Oh tabarnak, sérieusement là? Mais lâche! What the fuck là? Calice! Yes! Première mort! Tout ça parce que je voulais tester genre qu'est-ce que ça faisait. Pas une bonne idée, hein? Y a-tu de quoi à faire pour se débattre? Je pitonnais sur X, mais je pense que ça sert à rien. Je sais pas, hein? Là, faut-tu que je recommence l'intro du début? Ah, si. Bon. J'avais pas fait de sauvegarde. On va passer les cinématiques, là. Oui, c'est pour ça que je joue à Very Easy. Vous avez compris, hein? Si tu mets ton joystick en bas à gauche, ton personnage va s'en aller en bas à gauche, right? Ouais, c'est ça, exactement. Pourquoi c'était pas le même à l'époque? Oui, je suis déjà morte par un chien. Mais crime, j'ai donc pas de vie. Il me semble qu'avec Razy, j'ai plus de vie que ça.
On va faire une sauvegarde, je pense, après, hein? Oui, j'ai ouvert la porte de devant, puis le chien m'a bouffé. Mais Chris, c'est violent, le chien? Clairement, j'avais pas de talent pour l'éviter. Bla bla bla, je sais ce qui se passe. Là, je tuerai pas le zombie, je vais garder mes balles. Oh. C'est ça la difficulté des vieux Resident Evil, les sauvegardes. Fallait-tu tourner à gauche ou à droite jusqu'à temps que ton personnage soit face en bas à gauche? Puis après ça, tu mettais ton joystick en haut pour avancer. Ok! D'accord, c'est pour ça. Moi, non, ça doit être de la marde, des contrôles de même. Ça devait être de la marde. Je peux comprendre. Bla 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 bla! Fait que là, on sait que ça sert à rien de le tirer. Parce que Barry va le tirer à notre place, mais il va s'en aller. Barry! Bla 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 bla! C'est bizarre ça qu'ils repartent. Genre, what the fuck? On va monter les marches, on va redescendre, puis on va être rendu où ce que j'étais. Bon. J'ai obtenu le crochet de serrurier. Good. Ok. Là, je suis mieux de faire une sauvegarde de suite. Là. Je sais pas à quel point il y a des trucs à ruban pour sauvegarder. Là. Je peux pas sauvegarder à tous les deux pas non plus. Là. Mais Chris, le chien, il est intense. Là. Tu penses que je vais ouvrir la porte? Ok, comme un tank, joystick en haut. Ok, ok, c'est pour ça que tu parlais d'un tank. C'était presque agréable, presque. Ah oui, ça, je me souviens de cette pièce-là. Il y a un truc à pousser ou je sais pas quoi, là. Femme puisant de l'eau. Des portraits et des photographies ornent le mur. Ils sont si réalistes qu'on s'attendra à les voir prendre vie d'un moment à l'autre. Ok, il dit ça à toutes les places. Ouais. Non, je vais pas ouvrir cette porte de cul-là. Il y a de quoi dans la statue? Attends un peu. Je peux-tu fouiller les tiroirs? Non. C'est pour aller... Allez là, c'est quoi qu'il y a ici? Ah, j'ai un poignard. C'est prêt pour une porte, ça. Fuite d'urgence. Si vous utilisez des objets de défense tels que des poignards, vous pouvez vous échapper. Ok, oui, oui, c'est vrai, quand on est agrippé. Vous pouvez vous échapper momentanément lorsque l'ennemi vous saisit. Attention, vous ne pourrez pas vous échapper si l'ennemi vous attrape par derrière. Pour vous équiper de l'arsenal tactique, accédez à l'écran d'état, puis sélectionnez un objet dans le menu Arsenal tactique. Sélectionnez ensuite la commande Équiper. Si votre arsenal tactique est réglé sur le mode manuel dans la configuration de la manette, vous devez appuyer sur L2 pour l'utiliser. Ok, c'est L2. C'est pas automatique, là. Fait que là, faudrait... Ok. Fait que là, j'allais déjà dans Arsenal tactique. Ça, c'est quoi? Ça serait comme une recharge de balles, ça? Ok. Bon, on va le garder. Ça peut être utile. Diverses fournitures d'art plastique. D'art plastique. Une façon de le dire.
Bon, j'ai l'impression que j'ai un zombie avec moi, hein? Bonjour, monsieur! C'est un peu comme pour tester notre poignard, ça, au final. Ok. T'apparaît d'où, genre? C'est pas comme s'il était déjà là puis qu'il avait pu ouvrir la porte. Ça, est-ce que je peux pousser ça dans l'autre sens en me mettant dans l'autre côté? Tu peux placer un piège sur les gens si tu veux. Un piège? Quelle sorte de piège? Ah! Il y a quelque chose à prendre sur la statue. Une carte manoir, premier étage, one floor, la prendre, oui. Des cartes, c'est nice. Ah, là, c'est cool. J'ai la carte au complet. Fait que je sais où est-ce que je m'en vais plus avec ça. Parfait, ça. Une mine explosée. Je pense pas que je peux-tu... Y a-tu des mines explosives dans lui? Ça me dit rien, là. Bon, j'ai pris la carte. Puis là... Pour ceux qui connaissent le jeu, ils savent très bien que les hosties zombies reviennent à la vie. Donc, je vais prendre la peine de bloquer celui-là. J'aurai pas besoin de gaspiller mes balles. Tu vas rester derrière ça, mon hostie. Ok. Ok, la pièce est verte, parfait. Mauvais jeu. En rouge, il disait que c'était verrouillé. Ou bien c'est peut-être juste parce que je l'ai pas essayé, là. C'est verrouillé, ok. L'emblème d'une épée est gravé sur la serrure. Je peux pas... Je sais que c'est pas toutes les portes qui marchent avec le lockpick. Ok, ça marche pas. Au moins, je vais l'avoir essayé. Voyons, c'est pas ça que je veux faire. C'est tout ce qu'il y a ici. Bon, on va ressortir. Je risque d'ouvrir ma carte très souvent. Ça vaudrait la peine de faire une sauvegarde pour pas avoir à me retaper l'intro, là, s'il arrive de quoi, là. Je pense qu'il y avait une machine à écrire ici, je crois. Ouais. Une vieille machine à écrire. Vous pouvez sauvegarder votre progression, utiliser un ruban encreur, oui. Ok. Je vais aller voir les autres pièces qui sont en bas. Il y avait une autre porte ici. C'est verrouillé. L'emblème d'un casque est gravé sur la serrure. Ok. Je vais tester, là. Je sais pas s'il m'offre la possibilité de l'utiliser quand on peut l'utiliser. Fait que je préfère l'essayer au cas où. Ok, j'ai rien ici. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Un truc qui se lamente, là. Ouais, ça me dit vaguement de quoi, le truc qui se lamente en bas en plus. Je me rappelle un peu qu'est-ce que c'est. Bon, fait que là, je pense que ça vaudrait la peine de retourner dans les couloirs de tantôt. On va commencer par le premier étage, là, vu que j'ai la carte en plus.
Parce que là... Hey, voyons, je peux-tu arrêter d'aller vers la gauche? Je vais aller en haut. Ouais, c'est ça, il n'y a rien d'autre en bas de l'autre côté. Ok. Bruit de chaîne, un esprit de Noël avec Scrooge. Hey, t'es encore là, Angel? Je me suis dit, t'aurais peut-être parti vu que c'est un jeu de zombies. Wouf, wouf. Du coup, tu veux que j'aille ouvrir la petite porte pour crever? Hey, crise de chien. T'es en lurk. Oui, je suis rendue sur Resident Evil. Oh non, fuck. On t'a pas appris à mourir, toi? Fuck. Grosse cochonnerie. Tu viens d'aller coucher les enfants, ça a-tu bien été? La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ça, c'est où ce que je viens d'arriver. Ah, c'est sûr que lui, il se relève plus tard, là. Ok, le couloir il est là. Tu leur as lu une histoire beaucoup trop bébé pour eux, ça a l'air. Oh! Use your knife, ouais, hein, je pourrais. Il y en a qui font des runs knife only, là. Ça sera pas ça, vous allez voir, là. Laissez-moi une chance, là. C'est la première fois que j'y joue, là. Hey, des plantes! On appelait ça du pot. Quand mon frère y jouait, genre, il disait, ah yes, j'ai trouvé du pot. C'est tough trouver de quoi pour des 9 et 11 ans pour des histoires, ça. T'as reposé ton dos sur le sofa car Mako t'y a obligé au final. Il a siesté sur moi pendant que je regardais des spéciales d'Halloween des Simpsons. Hey, c'était-tu les vieux spéciales Halloween, ça, des Simpsons? Il les repassait à chaque année en octobre. Harry Potter, c'est un peu long à lire, par exemple, avant de se coucher. Malgré que ça dépend, là, si tu lis, mettons, un chapitre, c'est déjà moins pire. Normalement, c'est eux qui lisent, mais je fais une exception de temps en temps, puis c'est moi qui lis. OK. Oui, ça, je vais le prendre. Encore du pot. Toi, là, je te trosse pas, là. Tu vas te lever à un moment donné. Je le sais. Asti, ça m'énerve. Je veux tout le temps aller en haut, puis je vais à gauche. Là, je suis rendue où? Je suis rendue ici. J'ai pas encore trouvé de balle. C'est le temps des romans pour préado, genre La Courte Échelle. Hey, c'est vrai. La Courte Échelle, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Théo Vieux, il les a tous sur Disney+. OK. Ça se partitionne bien, Harry Potter. Ouais, même par chapitre, ça se fait mieux, là. Ton plus vieux de 11 ans est TSA. 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 C'est quoi TSA? Trouble, je sais pas quoi. Je suis pas sûre c'est quoi. Ça existe encore? Ah, oh, ouais. Hey, je me rappelle, pour de vrai, c'était genre de livre-là. J'ai trouble du syndrome de l'autisme. OK. Fait qu'il y a de la misère avec la lecture, d'accord. Mais j'étais quelqu'un qui lisait énormément. Au secondaire, là, je lisais, là, ça avait pas de sens. J'ai arrêté de lire, en fait, rendu au cégep, parce que je me suis mis à écouter des animés. Avant, non, on peut pas faire tout en même temps, là. Mais j'ai lu énormément de trucs plus jeunes. Bon. Ah, OK, je peux reprendre Triangle pour aller plus vite en sortant. Bon, ben, on va explorer. Je sais pas où est-ce que je m'en vais, mais on va explorer. Ah, c'est sûr qu'il se relève. La porte est verrouillée. Ah! Mais monsieur! Avertissez! Oh.
cochonnerie. C'est sûr qu'il se relève, là. Oh. Prendre flèche dorée. Ben, je peux, mais je sais pas c'est quoi. Oh. C'est le fun des animés, oui. J'en ai écouté énormément. Je lisais beaucoup étant jeune et j'aimerais bien m'y remettre, mais je ne prends pas le temps, fait que je me rabasse sur les livres audio pour certains. Ah, des livres audio, c'est nice aussi. Sérieusement, c'est nice. Des livres audio sont le fun à écouter, oui. Puis il doit y en avoir pour les jeunes. Ben, en tout cas, j'en avais plus jeune, des livres audio. Là, ils étaient quand même peut-être un peu plus gamin que pour 9-11 ans, là, mais il doit y en avoir pour les plus jeunes quand même. Là. Bon, je peux bien l'apprendre, là. Je sais pas à quoi ça sert. Examiner un objet. À partir de l'écran d'état, sélectionnez un objet puis la commande examiner. Les renseignements concernant l'objet s'afficheront. OK. Examiner. Hey, tout que des renseignements, une flèche dorée. OK, on dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche. Ben, fais-le. Pointe de flèche. OK. La pointe est en péridote, aussi appelée l'émeraude du pauvre. Ah, oh, ça, je savais pas. C'est sûr que ça va me servir dans un casse-tête quelconque, là. Oui, je viens de commencer Watch, puis je suis déjà morte une fois. Genre, c'était tellement stupide de ma part. Genre, je start, je fais la cinématique d'intro, tout ça. Là, je me dis, hey, j'ai envie d'essayer la porte d'entrée au début, voir qu'est-ce que ça fait. Il y a un chien qui est rentré, il m'a tué. Fait que j'ai dû recommencer le début. J'ai skippé les cinématiques, là. J'étais comme Carlis. Fait que cette porte-là va rester fermée. Tu as lu la... tu lisais pas les directives, Boomba, fait que là, tu savais pas qu'il fallait que tu examines la patente. J'ai écouté toute la série d'Harry Potter et c'est très énergique comme lecture. Et j'ai réussi à audio-lire le conte de Monte Cristo, un livre que j'aurais jamais été capable de lire. OK, parce que c'est un livre un peu plus lourd. Crime, tu soupes tard? T'avais pas soupé genre avant? Ah non, t'étais en stream, c'est vrai. Tu t'aurais pu manger dans la face de tes étudiants, là, parler français avec la bouche dans la gueule. Hein? Sur la PS1, on pouvait pas l'ouvrir. Sur la PS1? Pour ce qui est de la flèche, ça, ou d'autres choses? Hein? Hey, c'est quand même creepy comme ambiance, Watch. T'es free for all. Tu lis pas les directives. OK, OK, la porte d'entrée. Ah, oh, ça, je sais pas. On peut pas l'ouvrir, OK. Fait qu'ils ont décidé de faire chier dans la version remake puis de nous faire ouvrir ça pour, genre, nous taper un chien. Audible, t'as des extraits que tu peux écouter. T'assurer que le lecteur te gosse pas et tu as un livre gratuit par mois. En plus, tu peux les garder même après si tu restes pas abonné. Quand c'est nice, ça. C'est une grosse brique, le conte de Monte Cristo. Le mardi, t'es ta Canadienne de Colombie-Britannique. Elle te prend 2 heures. OK, c'est un cours de 2 heures que t'as eu. D'accord, d'accord. Ça disait qu'il y avait des chiens puis que c'était dangereux de l'ouvrir. Ben, c'est clairement une indication qu'ils ont décidé de pas mettre dans celui-là. OK. Carlic. Là, ma vie est encore en vert. Parfait. Ben, je me suis fait mordre, là, mais c'est pas grave. J'aime pas ce couloir-là ici, là. C'est fucking énorme. La porte est verrouillée. Ah, j'ai déverrouillé la porte peut-être avec mon lockpick. Parce que là, j'ai pas d'item, là. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là. C'est verrouillé, l'emblème d'une épée est gravé sur la serrure. Ah, toi, tu peux bien rester de ton côté, je m'en calisse. Ah, ça c'est nice, parfait. Ah, c'est que c'est grand. Je vais tellement me mêler au début, là. OK.
Ça, ce serait en haut du hall, parce que là, j'ai pas encore la carte du deuxième étage. Mais de ce que je comprends, ça serait le en haut du hall. Ok, parfait. Fait que je suis revenue au hall d'entrée à partir de là. Ok. Fait que c'est bon à savoir. Ça, y a-tu de quoi ici? Ah, c'est une porte! Ok. Pas de suite dehors. Souvent, il y a des chiens dehors. Puis on a vu ce que ça a fait la dernière fois que j'ai rencontré un chien, hein? Pas de suite dehors. Ok. Là, je suis arrivée par la grande porte. Depuis l'autre côté. Est-ce que... Non. Marche pas plus. La toile a été bien conservée. Les personnages ont gardé leur éclat d'origine. Ouh. Un tableau dans un immense cadre. La peinture est sèche et craquelée. Ils ont tellement mis des détails qui servent à rien quand tu regardes les trucs, là. Merci, Watch, de ta contribution au défi Alan Wake. C'est un jeu que t'avais fait, ça. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure. Ok, à date, j'ai trouvé des patentes qui demandent des emblèmes d'armure puis d'épée. L'emblème d'une épée. C'est sûr qu'il va en avoir à un moment donné que ça va être un bouclier, là. Fait que là, ici tout est verrouillé. Va falloir que je revienne sur mes pas pour tester d'autres trucs. C'est fucking bon, Alan Wake. C'est un de mes frères qui me l'a donné. Il est chanceux, hein, parce que. Il a passé. Il a passé, voyons, dimanche. Pendant mon 12 heures, il m'a donné la suggestion de défi. Fait que c'est la première fois qu'il était dans roue pour un défi, puis c'est lui qui a eu son jeu. Ah, oh, je me rappelle. La statue, faut que je la pousse en bas. Je suis quasiment mieux de le tuer, lui, là. Malgré. Il me reste combien de balles, là? Il me reste pas beaucoup de balles, là. J'ai toujours pas trouvé de balles, là. Va-t'en. Attends un peu, je vais essayer de la tirer, là. Il est ici. Je veux qu'il me laisse pousser la statue en paix. Bon, là, je devrais avoir le temps. Fait que là, ça va falloir que je retourne en bas. Il est où mon zombie là? Je vois rien avec les angles de vue. Ok, good, parfait. Attends. On va garder nos 6 balles à un moment où ce que je pourrais en avoir plus de besoin. Oh. Crime, je comprends pas pourquoi j'ai encore pas trouvé de balles. Fait que là, je devrais pouvoir pogner le truc bleu en bas ici. Je sais pas ce que ça fait, là. J'ai trouvé un péridote, là, je vais avoir un saphir. Alan Wake, c'est pas le genre à se réveiller le matin encore, leak. Attends. C'est pas pire, on n'entend même pas le zombie quand il est en haut. Prendre joyau bleu. Je sais pas encore à quoi qu'ils servent. Je pourrais laisser le joyau bleu ici pour pas comme bourrer mon inventaire. Je sais où ce qui est. Si jamais j'en ai besoin, je vais venir le chercher. Parce que une fois que j'ai un objet, je peux pas le mettre à terre, hein. Ouais, c'est ça, je peux pas le laisser à terre. Puis j'ai pas trouvé de place pour laisser des objets. J'ai pas de coffre encore, j'ai rien de tout ça. Fait que je vais éviter là parce que je préfère me garder de la place pour des balles si j'en trouve. Ok.
J'avais un escalier sinon qui allait en bas. Bon, on peut aller faire l'escalier qui va en bas. Voir qu'est-ce que ça fait. C'est vrai, Ripper disait qu'il avait acheté Resident Evil 2, le remake, ça, probablement. Tu comptes-tu le faire en live? Il y a un ascenseur, vous ne pouvez pas y accéder depuis cet étage. Moi, j'aime ça, descendre dans les sous-sols crasseux. Tout est verrouillé ici. Bon, c'est pas là. Donc, la seule place que je vois, c'est au bout de l'autre couloir. Jamais. Ok, ici c'est je monte en haut des marches. Ça, il y avait rien là. Il y a des chaînes sur le mur. Il reste juste une porte possible. Ah, c'est vrai, il y a aussi la porte qui mène à l'extérieur, à partir du hall d'entrée. Bon. Parce que là, dans ce couloir-là, ouais, j'ai une seule porte qui fait qu'il reste en avant que j'ai pas faite. Oh. Ah, je vais laisser les plantes là. J'ai déjà deux plantes sur moi, là. Attends un peu. Je peux pas... Déjà en combiné, je pense. Aha! C'est vrai que j'avais oublié, je peux les combiner ceux-là. Bon, let's go. Hey, lui, il va se ressusciter en Crimson Head à un moment donné. Je le vois, là, il est déjà prêt à se relever en vampire débile. Là. Il y a une inscription sur le bouclier. La mort n'est qu'un commencement. Pourquoi j'ai l'impression que je meurs si je vais là? J'ai envie d'aller sauvegarder avant d'essayer, puis ça me fait chier de passer une sauvegarde pour ça. Je meurs pas? Ok. Je vais te faire confiance, Captain Simba. Je sais que tu me diras pas de la bullshit. Mais c'est parce que j'ai vu le truc avec des pics, puis j'ai fait ça se fait pas à bouger, ça, puis c'est pas une mort instantanée. Fait que j'ai comme pas trop trusté. Ben là, troll-moi pas. Il faut que je recommence, je vais être en crise. C'est la partie que j'aime pas des vieux Resident Evil comme ça, les sauvegardes. Oh. Bouge pas, s'il te plaît. Oh, mais non, c'est sûr que le piton fait que ça bouge. T'es sûr, Captain Simba, là, tu me trolls dessus? Hey, salut Orion, comment ça va? Ça fait 3 heures que je devais aller me coucher et il y a un streamer qui a eu un problème de PC il y a un mois, c'était sa reprise. Il quitte et je tombe sur toi et mon jeu préféré, enfin le 2 normalement, qui est... Tu parles de Resident Evil, ça? Dans le fond, c'était le 2 ton préféré, le 2 original, ça, ou le 2 remake? Là, Captain Simba, tu me trolles dessus, là, ça a fucking l'air d'un piège mortel, là. Je vois pas qu'est-ce que ça peut faire de différent à part activer ça puis me tuer. T'as tous les moyens au monde pour ne pas crever. T'es en train de dire que je pourrais crever. Parce que vous vous rappelez que je suis qu'une paysanne qui meurt à rien, hein? J'ai vraiment envie d'aller sauvegarder. Je vais aller sauvegarder, je le file vraiment pas. Je le file vraiment pas, Captain Simba, je fais une sauvegarde.
Je me fais pas confiance du tout. Carlis, que j'aille ça. Là, bien entendu, la patente pour sauvegarder est à l'autre bout du monde. Ah là 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 là. C'est-tu que c'est gossant, les angles de vue? Mais j'aimerais vraiment tomber sur des balles bientôt. J'ai rien. J'ai fuck all, en fait. J'ai pas de balles. Puis je joue à Very Easy. J'ai eu de la vie. Le 2 original, évidemment, mais pourquoi pas. Mais si je reste... Rappelle ma directrice pour lui dire que je serai pas là. Ben là, moi, je suis pas... je suis pas responsable de vos manques de sommeil. oui, sauvegarder. Ah, il est déjà 9h30. Je pensais aller continuer, mais sérieusement, j'avais pas vu l'heure passer. À 9h30, je pense que je vais aller me coucher bientôt, moi, en fait. J'ai tellement pas vu l'heure passer, je suis comme, what the fuck? Ouais, non, je pense que ça sera un bon moment pour arrêter tant qu'à avoir sauvegardé. De quoi je suis responsable? Ouais, non, je suis désolée. Bon, ben, Orion, tu peux pas aller te coucher. Hey, ben là, mais c'est ce que j'avais pas vu l'heure passer, puis moi, je travaille au bureau demain. Normalement, je vais me coucher à 10h. Tout ça pour que je reste. Mais je vais le continuer la semaine prochaine, Resident Evil. En fait, le 31 octobre, le soir de l'Halloween, je continue Resident Evil, lundi prochain. Oui, je sais, je suis une petite vieille. Ben, on va le savoir au prochain stream, Captain Simba. Mais en tout cas, j'ai fait une sauvegarde, là, fait que ça tombe bien. Ça va m'éviter, en fait, de jouer genre 3 minutes pour aller re-sauvegarder. Parce que les sauvegardes là-dedans sont précieuses. Puis c'est le genre de jeu, justement, que tu joues pas comme 15 minutes pour aller sauvegarder, là. Fait que tant qu'avoir sauvegardé, je pense que j'allais me coucher rendu là. Mais on va continuer la semaine prochaine. Hey, mais c'est quand même stressant, hein? Ça va peut-être passer, là. Mais je trouve ça stressant comme ambiance, les vieux Resident Evil. Plus que Silent Hill. C'est sûr que Silent Hill, je savais peut-être pas à quoi m'attendre, là, mais je sais pas. Je suis stressée dans lui. Ça va finir par passer, probablement. Bon. Je vais fermer ça. J'ai donc un placoté au début de Resident Evil. J'ai starté à quelle heure? Ouais, c'est sûr, j'ai peut-être joué quoi, une heure, là? Parce que tantôt, Wind Waker, je sais pas à quelle heure j'ai fini Wind Waker. À 7h15, t'es au travail. Moi, demain, je me lève à 6h. Je me lève à 6h pour partir de la maison vers 6h15, 6h20. Je prends le bus à Lévis pour me rendre à la job pour 7h30. 7h30, je commence. Mais ça, il faut que je me lève à 6h. T'as 3 heures de route à faire, te rendre chez nous. T'as pas d'excuses. Ah, toi, t'as 3 heures de route à faire. Tu travailles demain, Captain Simba? Silent Hill 2 Remake, ça, que j'ai vu à Orion? Je sais pas. Je sais qu'il va sortir sur PlayStation 5 uniquement au début. Mais là, je crois, là, en tout cas, mon chum avait trouvé quelqu'un qui vendait une PS5. Fait que ça se peut qu'on ait une PS5 bientôt. Mais je sais pas, ça pourrait être un jeu éventuellement qui pourrait être fait, là, vu que j'avais fait Silent Hill original. Je sais pas à quel point le remake va être cool, là, mais c'est quoi, il est prévu juste pour l'année prochaine de toute façon? Je pense pas qu'il sorte cette année. Tu travailles à 7h30 demain, Carlis, tu vas être poqué. Mais je déteste être poqué, moi, au travail. Là. C'est pour ça que je préfère aller me coucher de bonne heure. Déjà que je me suis couché une heure trop tard hier et avant hier. Fait que si je me couche encore une heure trop tard, je vais être désagréable à la fin de la semaine. Puis je veux pas ça. Ah, mais non, c'est ça, Resident Evil, il va te continuer, inquiétez-vous pas. La semaine prochaine, lundi, en fait, lundi soir, on start sur du Resident Evil, puis ça va être ça toute la soirée.
Puis c'est le soir de l'Halloween, fait que let's go, hein? Ça va être thématique. Sinon, c'est ça. Je suis contente d'avoir fini Zelda Wind Waker. Fait que celui-là, il est terminé. On va aller voir ce qu'on peut raider pour asseoir. Sinon, mon prochain live est jeudi soir avec Yakuza Kiwami 2. Ça va être un long live jeudi, vu que je travaille pas le lendemain. Fait que je vais pas live longtemps. Puis je fais du Dark Souls 3 vendredi soir. Je vais aller voir ce qu'on peut voir. Ouh, j'ai des belles personnes en ligne. J'hésite. Je vais aller voir s'ils sont pas à la fin de leur live. J'ai deux personnes potentielles. Puis les deux ont starté leur live il y a pas si longtemps. Il est tellement bien, t'es prêt à attendre. Good. Tiens, pour Reaper, on va aller voir Tania de la Guinness Squad qui est sur A Plague Tale. Il me semble que tu l'aimais beaucoup, ce jeu-là. Elle l'a starté à soir de ce que je vois être au début. C'est un excellent jeu, A Plague Tale Innocence. Il y a le nouveau, là, comment il s'appelle? Requiem, qui est sorti récemment. Il paraît qu'il est plus action du style Tomb Raider, là. Je me suis pas spoilé du tout parce que j'aimerais le faire éventuellement vu que j'avais fait le premier. J'aimerais ça le faire. Là. De toute manière, je ne veux pas l'acheter tout de suite. Là. Je vais attendre que la hype retombe. Puis probablement que je vais le pogner quand il va tomber en rabais. Mais j'avais beaucoup aimé le premier. Moi, je le conseille à beaucoup de gens, là, ce jeu-là. Non, j'ai pas fini Resident Evil, je m'en vais me coucher. Mais j'ai pas avancé beaucoup à Boomba. Là. J'ai essayé des portes. Puis j'avais peur à un truc, fait que j'ai préféré sauvegarder, aller dormir. Hey, c'est bon. Ben, merci. Merci beaucoup d'être passé, Orion. Puis merci à tous qui sont passés. Merci pour les raids. Merci pour le follow. Merci pour la compagnie. Puis on se revoit sur un prochain stream et je vous souhaite une bonne nuit. Bye bye, tout le monde. Toki lete kekka no shirabe saigo ni kawasu yakusoku chigireru hodo yubi wo karameta hatasenu